тащите в Peugeot. Молчите. О, the big teacher. The biggest. This is the leader. Yes. Look how many. Disaster. Look, look, look so small. Oh, me quit some. Саша! Look here, outside. Right, here we go. Here we go. Right, so we have a tree here. Not a very good looking tree. Ball of box falling off. All on the left hand side. Look on the left hand side of that tree. Look on the right hand side. That's alright. Yeah. Right, well look at the right hand side of the tree, look at the flap, look at the bushes. Look at the green bushes, yeah. Very nice. Look at the left hand side. Dead. Do you know why? Because that's right next to it. Look at this. Have you seen anything like that in your life? It's got a light right there. The transmitter on the top. Now how's that? Explain that. The right hand side of the tree that's not next to the transmitter, the grown away from it, is okay. I mean look at this, look how shocking. Look at all the bark falling off. All dead, totally dead. Far too close to the light. Look at the bark. All on the left hand side, look. Look how close it is to the light. These 5G transmitters are lethal. If that's what it's doing to a tree, right next to a tree, think about what these are doing to our health. Just think about that for a minute. SingerChart.com. SingerChart.com. I thought it was out of an Albert Hitchcock movie. When you first get the call, you think it's a New Year's joke, but it wasn't a joke. I thought the mayor was messing with me when he called me.
Arkansas Game and Fish has collected some of the dead animals and will perform tests on Monday to try and determine the cause. Officials believe it's weather-related, like lightning or high atmosphere. The city council has approved funding for a private company to help clean up the area. Most of the dead birds should be removed by Sunday night. Amidst all of this death, we found some birds who beat the odds. Going up and down Taylor last night, picking up the ones that didn't survive, I found this one moving around. Kelly Mayo's daughter calls this wounded bird Liza. Looking around, miracles might have... This is weird, man. I'm outside the hospital. There's some tree there with loads of birds in it. Look. There's literally loads of birds flying around. But on the floor, and they're literally falling out the tree as I'm speaking. Literally falling out the tree. They're everywhere. Falling out the tree dead, one after the other. You know what I mean? It's weird, man. Look, that one's still alive. Still trying. Some are, some are not. It's really strange. Le mystère des oiseaux morts gagne l'Europe. Une centaine de choucas, sortes de petites corneilles, ont été découverts sans vie ou agonisant la nuit dernière sur une route enneigée du centre de la Suède. Le site a été bouclé et les carcasses emportées pour analyse. Ce phénomène fait écho à une série de pluies d'oiseaux morts aux États-Unis. Tout a commencé la nuit du Nouvel An quand 5000 carouges à épaulettes sont tombés raides sur l'Arkansas, probablement désorientés par des feux d'artifice. Hier, c'est en Louisiane qu'environ 500 carcasses de volatiles se sont abattues sur une portion d'autoroute. Selon le vétérinaire chargé de l'enquête, ils pourraient avoir percuté des lignes électriques à haute tension. Je vais examiner ces oiseaux et essayer de déterminer s'il y a une cause commune à leur décès. Il faut vérifier les paramètres environnementaux du site, voir s'il y a des polluants ou toute autre explication évidente. Et il va falloir autopsier les oiseaux pour voir s'ils présentent tous les mêmes lésions. Même découverte morbide dans le Kentucky, des carouges et des étourneaux notamment. Les ornithologues font valoir qu'à cette époque de l'année, les oiseaux migrent en bande et qu'une perturbation peut facilement les désorienter. Dans le parc Wijgen, allez, les étourneaux viennent normalement sur ces marronniers pour passer la nuit. Mais beaucoup d'oiseaux ne se réveillent pas le matin et ils tombent morts des branches. Chaque jour, les employés du centre de soins pour animaux viennent ramasser des dizaines d'oiseaux. Les experts sont perplexes sur la mortalité massive de ces étourneaux car cela ne s'était jamais produit auparavant. Les étourneaux récemment découverts sont examinés par le laboratoire spécialisé de recherche biovétérinaire de Wageningen à Lelystad et par le centre néerlandais de la santé animale Utrecht. J'ai le sentiment d'être sur une scène de crime. Le fait que tant d'oiseaux tombent du ciel à cet endroit doit avoir une cause et doit faire l'objet d'une enquête, si l'on parle d'empoisonnement. Encore une fois, presque au même moment où ces animaux sont morts, près de la station. Balancepour, il a été testé un émetteur 5G. Les oiseaux ont tous une insuffisance cardiaque, avec un corps en bonne santé. Aucun signe de virus, aucune infection bactérienne, aucune maladie du sang, aucun poison trouvé, etc. La seule explication raisonnable est que cela vient du nouveau micro-ondes 5G,7 mortalité renvoie très fortement vers certains micro-ondes fibrillation auriculaire, dont il est prouvé qu'ils ont des effets biologiques sur les organes ne plaisantent pas ici. Certaines personnes supposent que les micro-ondes de puissance inférieure ne peuvent pas nuire. Parce que cela ne vous fait pas cuire. C'est une logique très imparfaite. Recherchez dans Google le Scholar Search Site, avec le texte effet biologique des micro-ondes non ionisantes. Et soyez prêts à être choqués de voir à quel point la plupart des gens sont ensommeillés, et de croire aveuglément aux soi-disant experts et aux autorités des télécoms. Les animaux ne sont pas émaciés, ne semblent pas malades. Ils viennent de tomber morts de l'arbre. À première vue, ils ont l'air en bonne santé et ont constitué des réserves pour l'hiver, l'estomac est plein. La maladie ou le virus n'est pas considéré comme probable. Les autorités responsables des enquêtes sur les oiseaux et les enquêteurs pensent que les oiseaux ont été empoisonnés. Les contenus gastriques et intestinaux font encore l'objet de recherches.
S'il s'agissait d'un poison, ils mourraient plus éparpillés et ne tomberaient pas tous d'un arbre à la fois, et ils devraient également laisser des traces. Le rayonnement ne laisse presque aucune trace. Il a déjà été prouvé que la 5G est dangereuse et devrait être interdite. It's a whole flock. Yeah. That's odd. It's been going on for the last hour. Oh, they've been out here for an hour doing it. Yeah. Oh my God, look at them all. Look, they're... I was like, you were inside, right? Yeah. Is that what you heard? You heard a bunch of... Look. Oh my God. No, this is like something of a fucking movie. Are you... This is crazy. Yeah, I feel like this is like the end of the world right now. Right, like this is where it starts. This is where it starts. This is not okay. Oh. I can't tell if I can, if I'm actually getting the other side or not. Yes. Yep. Come on, guys.